C'est sur la piste italienne d'Imola que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau track day. Bonjour et bienvenue au programme du jour du super tourisme avec deux bolides issus du championnat du monde. Et bah de super tourisme avec la première vidéo du jour, la Citroën C Élysée, championne du monde, avec au volant évidemment José Maria Pechito López. Mais ici, je vais remuer le couteau dans la plaie pour certains fans de football. Nous devons ces voitures à des modeurs portugais, navrés les amis. Mais il faut constater qu'ils ont du talent et c'est l'équipe de PTSIM Portugal qui nous avait créé ce mode, donc WTCC avec 3 modèles. Vous avez déjà découvert dans la playlist track D la Honda Civic, voici maintenant la Citroën et ensuite, plus tard cet après-midi, vous aurez droit à la Chevrolet Cruze. En tout cas, les spécificités techniques de cette voiture, un poids de 1100 kg, comme le veut la réglementation sans lest ajouté, un couple à 190 Nm pour une vitesse de pointe de 230 km/h et un 0 à 100 en 5 secondes 9. Un moteur turbo, évidemment, comme le veut la réglementation, et force est de constater que cette voiture est la meilleure voiture de super tourisme que j'ai pu tester dans Assetto Corsa. Alors oui, il y avait des voitures à l'époque, mais ça n'était pas complet au niveau de la physique, et on sent ici que ce mode, à la base privé, on a pu en voir quelques vidéos il y a quelques mois sur YouTube, eh bien commence à se populariser, et des petits malins ont réussi à le choper, et on peut donc dorénavant tester ces magnifiques voitures. Dans cette vidéo et la prochaine, nous allons donc tester ces deux bolides, un comportement de traction extrêmement bien retranscrit, extrêmement bien précis. Vous dérapez, vous laissez le pied dedans, la voiture revient. C'est beau, c'est complet, c'est agréable visuellement et au niveau des oreilles. Quoi demander de mieux ou que demander de plus, les amis, si ce n'est de monter le son et de profiter des quelques tours de la piste d'Imola avec cette Citroën.